Coucou, on est vendredi 7 juin, 9h34. Il fait bon, c'est super, il fait bon. Mais c'est toujours pas la forme. J'en ai marre. Mes enfants, ils vont encore voir leur mère pas bien ce week-end. La fatigue, le rhume, là, je sais pas si je vais pas attraper une migraine. Je le sens bien. Enfin, je me suis encore levée tôt, donc j'ai déjà fait mon sol avant d'aller faire mes trois courses. Comme ça, c'est fait. Et je suis passée à Lidl et Carrefour. Voilà. Donc, à Lidl, j'ai pris de la salade. Je voulais de la cœur de laitue, il n'y en avait plus. Donc, j'ai pris iceberg. 99 centimes. Je leur ai repris des tomates cerises à 95 centimes. J'ai pris, au cas où, si c'est pas pour cette semaine, ça sera pour la suivante, des roulés au fromage. Bon, non, ça faisait un moment que j'en avais pas pris. 4 roulés au fromage, 3,49 €. Je voulais reprendre des papitas. J'en ai encore, hein, mais c'était tellement bon. Ail et coriandre, mais il n'y en avait plus. Et du coup, ah oui, j'ai repris les yaourts de la semaine italienne parce qu'ils sont délicieux. J'ai goûté un de chaque. C'est fort sucré, hein, mais c'est un délice. Donc j'ai repris 2 tartufos au chocolat à 1,59 €. Et j'ai repris 4 tiramisu à la fraise. J'aurais pu prendre framboise, je sais pas pourquoi, je suis restée sur la fraise. J'ai pris les 4 à la fraise, c'est délicieux. Non, j'ai mangé hier soir et au chocolat avant-hier soir. Et vu que c'est pas tout le temps, ben, je me suis dit je vais reprendre tout de suite. Et ceux-là, c'est 1,39 € le paquet et le deuxième, moins 56 centimes. Voilà, c'est tout pour Lidl. J'en ai eu pour 9 € aidés. Je suis repassée à Carrefour, j'ai racheté des papitas, mais des normaux, on verra bien. J'ai jamais pris. Je suis dans le papita en ce moment. Marque Carrefour, il y en a 6. Et ça sera pour les sandwichs de demain midi chez Pépé. Parce que les autres, je veux me les garder. En fait, ils sont trop bons. Donc j'en ai pris des comme ça. Je les passerai au four et puis je les garnirai. 2,35 €. C'est tout. Et je suis repassée à la pharmacie de Carrefour. Qu'est-ce que c'est cher, hein. J'en ai eu pour 13,80 €. Ouais. Je me suis racheté une boîte de vitamines parce que j'en ai ras-le-bol. Vous voyez, c'est celle-là. Voilà. Vous en prenez 2 par jour, il y a une cure de 1 mois. J'en ai déjà pris 2. J'en ai marre de ne pas être en forme, donc tant pis, hein. Et j'ai repris un rôle pour les moustiques. Voilà. Parce que j'en ai un en haut, mais il en faudrait un en bas pour les enfants. Donc, vous voyez ça. Désolée. En plus, j'attrape mal à la gorge maintenant. Non. Bon, ça va pas vous enlever la piqûre de moustique, mais ça fait un effet froid. Stick glogla. Mes enfants, ils appellent ça. Et ça, c'est 6 € aidés aussi. Donc 13 € idée. Mais bon. Faut bien, hein. Voilà. Bon, bah écoutez, moi j'ai plus trop rien à faire. Vu que j'ai déjà fait avant. À part m'occuper de Julie. Prendre ma douche. Et attendre impatiemment l'arrivée des enfants ce soir. En plus, ce week-end, normalement, ils vont pouvoir aller dans le jardin. Il fait bon. C'est super. Bon, moi je vous laisse. Et de toute façon, je vous retrouve tout à l'heure. On est vendredi soir. Les enfants sont encore dans le jardin. Tant qu'à faire. Donc ce soir, c'est steak haché. Petite pomme de terre. Et pois carottes au boursin. Donc je vous souhaite bon app. Et à demain. Bisous. Elles sont jolies, ces petites fleurs.
Celle-ci aussi, hein. La grosse fleur, là. Allez, petite promenade du matin. Moi, j'ai 7 cartes. Là. Noctali Memel, ça vaut 300 euros. J'ai mis les absents là parce que celle-là c'est Draco Feu chez Nivemax, ça coûte 500 euros. Elle est un peu abîmée, c'est sûr, mais parce qu'on le savait pas. Celle-là c'est mes absents, c'est mes cartes préférées. Donc je les ai mis dans une pochette. Et après, moi j'ai mis dans une pochette aussi. Celle-là, Sangaleon GX, elle vaut 200 euros. Ouais, c'est ça, elle vaut 200 euros. Ah, j'arrive plus à prendre la pochette. Ça va, ma Juju? Ça lui tourne, ma Juju. Elle a pas voulu manger, ma poupée. Ouais, c'est mignon que je croyais, mais ça va. 50 centimes plus 50 centimes, ça serait mieux. Non. Monsieur. Pourquoi ma tablette? Et pourquoi ma marionnette? Elle est trop mignonne, ah ouais, la marionnette. Allez, monsieur. Non, Aaron. Voilà. Là. Après, le stand. Je vais mettre ça sur le côté. Psst. Je vais enlever ça devant. Et je vais le mettre là. Coucou, on est samedi 8 juin 13h26. Oh, c'est pas la forme encore. J'en ai marre. Je suis fatiguée. Soit. J'ai commencé mes vitamines là hier, comme je vous ai montré. J'ai oublié de vous dire toute la liste d'ingrédients qu'il y a dedans. D'ingrédients. Donc je vais vous la dire. Alors, bêta-carotène, équivalent vitamine A, vitamine B1, vitamine B2, B3, B5, B6, B9, B12, vitamine C, vitamine E, vitamine D3, vitamine B8, calcium, sélénium, fer, zinc, manganèse, cuivre, molybdène, chrome. Voilà. Donc si je suis pas remise sur pied avec ça, je sais pas. Voilà. Sinon, bah, écoutez, les enfants sont bien arrivés hier. Il était à peine 5h. 5h moins 5. Ils vont très bien. Bon, léger petit rhume, mais tout va bien. Tant mieux. Le temps est correct. Hein, ils ont prévu du bon temps pour encore ce week-end. Après, si je me fie à la météo, il doit pleuvoir toute la semaine prochaine. Voilà, chaque jour à la fois. Là, ils sont chez Pépé. Donc, hier, ben, ça a été nickel. Ce matin aussi, bon, on n'a pas bougé, bien évidemment, hein, vu que je me sens pas très bien. Mais j'ai un jardin. Hein, alors, voilà, c'est le principal. J'ai été les déposer chez Pépé à midi moins le quart. J'ai juste fait l'aller-retour. Hein, vous savez, 10 minutes pour y aller, 10 minutes pour revenir. À moins 5, j'étais rentrée. Voilà. Après, il faut que je passe un coup de balai. Ravi. Ben, j'ai fait les sandwichs pour ce midi, là, avec les fameux pain pita que vous aurez vu hier. Bon, juste avant, enfin, un petit peu avant. Les pain pita Carrefour Nature. J'ai mangé, là. C'était pas bon. Moi, personnellement, j'en prendrais plus. J'ai trouvé ça pas bon du tout. C'était fade. Le pain, il se cassait. Je vous le dis là parce que j'ai pas gardé pour mettre dans mes produits finis, mais non. Bon, j'ai appelé mon père, eux ils ont bien aimé. Bon, alors, ils ont tous bien aimé, à part que pour eux c'était trop petit. Mais moi j'ai vraiment pas aimé ces pains. Voilà. Alors, Luigi et Julie sont malades. Bah oui. Alors, Luigi il est parti vadrouiller cette nuit. Donc, il a encore dû manger ce qu'il faut pas dehors. Ce matin, il est rentré. Moi, des fois, il va manger dehors, des fois, il va pas manger. Donc, je lui mets sa gamelle. Il a pas mangé. Il est allé dans le clic-clac. Les enfants étaient en train de dormir.
Et juste à côté d'eux, un gros vomi dans le clic-clac. Voilà. Donc j'ai tout nettoyé, les enfants ils se sont même pas rendus compte. Si Kenzo, après, quand il s'est levé, il m'a dit oh, bah, c'est mouillé là. Il me dit c'est Julie encore. Si, non, c'est Luigi. Voilà. Donc là, il dort. Mais lui, ça va lui passer. D'habitude, hein, il va toujours manger ce qu'il faut pas. C'est pas bon, mais qu'est-ce que je peux y faire, quoi. Moi, c'est un chat qui sort, quoi. Et Julie, elle est malade aussi. Ça m'embête plus parce que Julie, elle mange pas de cochonneries, quoi. Je surveille, je suis là. Ça lui tourne, en fait, depuis ce matin. Elle a pas mangé ce midi. Enfin, ce midi, ce matin. Elle a été plusieurs fois manger de l'herbe. Elle se plaignait. Petit gémissement, hein. Pourtant, Julie, elle est pas du genre à se plaindre. Je crois que ça lui tourne au ventre. Donc, j'espère que ça va se passer. Et que ce soir, elle va manger. Voilà. Après, elle a eu des bons repas aussi en début de semaine. Plusieurs jours, elle a eu du poulet, des pâtes. Là, c'est simplement ses croquettes avec des carottes et du saucisson. Elle doit faire aussi un petit peu la tête, entre autres. Hier, j'ai donné le cachet que mon père il m'a donné, là, pour les puces. Mais bon, comme je vous dis, j'ai pas vu de puce. Peut-être, oui, vous m'avez dit, c'est des piqûres. Peut-être, c'est une puce, elle est passée, elle l'a piquée, elle est partie, quoi. Mais bon, après, bon, pas très utile, hein, c'est ça. Parce que Tom, il est venu, il lui en restait deux. Donc, j'en ai donné un à Tom et un à Julie. Mais le problème, c'est que c'est du 4 à 10 kilos. Donc pour Tom, c'est bon, parce que Tom, il fait 9-10 kilos. Mais Julie, elle fait le double, quoi. Elle fait 20, quasiment. Donc, je sais pas si ça a été très utile. Mais bon, de toute façon, il fallait les utiliser. Bon, jusque 8-2024. Voilà. Je lui ai donné. Écoutez, après, on verra par la suite, hein. Bah là, elle se gratte pas, là. Bah, en même temps, elle dort, elle n'est pas bien, donc... Oh là là, qu'est-ce que j'aime pas quand... Bah, soit mes enfants ou mes animaux, ils sont pas bien. Déjà que moi, je suis jamais bien. C'est pénible. Enfin, voilà, c'était pour vous faire un petit coucou. Bah, vous aurez des petites images avant, des petites images après. Je prends régulièrement des petites images, mais après, je les trie parce que des fois, on voit rien. Ou, enfin, c'est... ou les enfants, ils disent des bêtises, ou... Voilà, donc faut que je trie les petites images que je vous mets. Bon, ben moi je vais vous laisser, hein, il est passé 1h30, les enfants vont revenir vers 3h moins le quart, je pense. Pépé va me les ramener. Et je vous dis à tout à l'heure pour les petites images. Samedi, il est 4h30. Donc pour ce midi, c'est un petit peu de compote avec des spéculos. Ça faisait longtemps et ils adorent ça. Donc bon goûter, mes cœurs. Merci. On est samedi soir, 19h40. Donc ce soir, comme prévu, c'est cassoulet et avec de la salade. J'avais de la salade, donc pourquoi pas.
Donc, on vous souhaite bon app et à demain. Du coup, on est dimanche, il est 1h20. Donc, pour ce midi, c'est tout simplement, j'ai pas envie de me prendre la tête en ce moment, purée mousseline, omelette au saucisson et gruyère, avec des petites tomates cerises et de la salade. Donc je vous souhaite bon app. À toutes. Oula, je viens vous clôturer ce petit vlog week-end dans le jardin parce qu'il fait bon, hein, regardez. Mais moi j'ai froid, je sais pas si c'est parce que je suis pas bien, mais j'ai froid. J'ai encore le rhume, j'ai ma Juju qui est là, elle profite un petit peu. Luigi, bah, je vous ai mis des petites images. Il est dans le clic-clac avec les enfants. Voilà. Donc bah, là, il est 3h et des poussières. Les enfants sont en train de jouer un petit peu avec leur DS. Voilà. Donc j'espère que ce petit... J'ai mal au bras, je le tire du bout des bras. J'espère que ce petit vlog week-end bah, vous aura plu quand même. Hein. C'était simple. Voilà, ils ont bien profité du jardin en tout cas, il n'y a pas de souci. En plus, Pépé, il avait tordu, hein, donc ils se sont bien amusés. Il ne me reste plus qu'ici un ballon de football. Le deuxième, il est dans le jardin à côté. Ainsi que, si vous vous souvenez, dans mon retour de course, j'avais acheté 3 balles pour leur raquette et tout. Il y en a une qui est dans le jardin d'à côté et une qui est tombée dans le trou de la cave. Donc il m'en reste plus qu'une, je leur donnerai plus tard. Je leur ai dit, je vais pas vous racheter des balles toutes les semaines, c'est pas possible. Désolée pour ma tête en gros plan, mais je saurais pas vous mettre plus loin. Voilà. Ah oui, non, mais ici les ballons, les balles, ça fait 5 minutes, 5, 10, une demi-heure maxi. Puis là vous verrez que dans le jardin d'à côté, je ne les récupérerai jamais. Parce que déjà... C'est la jungle. Voilà. Et que les rares fois où je vois le voisin, si je lui demande, il va me dire oui, ok. Mais 6 mois après, j'attends encore. Donc, voilà. Bon, écoutez, moi je vais vous laisser pour ce petit vlog. Et n'hésitez pas à vous abonner, à aimer, à commenter. Et moi je vous retrouve bah, très 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 vite. Donc, je vais vous poser. Plein de gros bisous. Et à très vite. Ah oui, ma jus.